sur un mur. Mais ça a été le fait de se décoller du mur, donc en fait, du coup, d'avoir, de sentir plus quelque chose comme une œuvre plutôt que quelque chose qui est posé comme une peau. J'avais besoin d'exister autrement. Et surtout d'avoir même cette espèce de notion de pouvoir, c'est-à-dire que j'accroche et je décroche aussi, ça c'était assez important. Pour le coup, le mouvement ressemble beaucoup plus. Et c'est pour ça que l'échelle du mouvement est vachement importante. Et importante par rapport au cadre architectural. Je dimensionne le geste à l'échelle de l'espace sur lequel je dois travailler. Que ce soit une toile ou que ce soit un mur. C'est tout le corps, c'est pas juste l'extension du bras, c'est qu'est-ce qui va passer, c'est connecté, donc il faut que tout aille ensemble. Mais ça, encore une fois, c'est parce que j'ai travaillé sur le mural que finalement, quand je travaille sur des toiles, ben, j'ai la même envie de sensation, en fait, parce que c'est ça aussi, le geste et le mouvement du corps, c'est les sensations dans l'espace, c'est comment est-ce qu'on fait bouger l'air et comment est-ce que moi je vais faire bouger la matière avec mes matériaux, avec mon corps, et avec les outils existants ou ceux que je dessine, que je crée, que je façonne. Quoi. Et ce geste, l'énergie qu'on met à l'intérieur, on doit se sentir. On doit se dire, voilà, ça a été fait ce truc-là. J'ai besoin de prendre de l'air jusqu'à ce que je pose le geste. Et après, je le répète. Il peut être bon du premier coup, mais sinon, ben voilà, je le tends, je le fais jusqu'à ce qu'il y ait un moment où je trouve assez bon pour me dire que je le laisse comme ça.